Salut tout le monde, c'est ZoAvix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur le jeu Rust, comme vous pouvez le remarquer. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de changements, mis à part que... Alors, je vais vous le montrer après. Donc, on peut déjà, je pense, regarder dans le menu Craft. Alors, donc, il y a une Repair Bench, parce que maintenant, les outils, les armures, etc., etc., sont usables un peu à la manière de Minecraft. Et il faut bien les réparer. Et c'est avec une Repair Bench qu'on fera ceci. Alors, comme autre modification, nous avons. Nanana. Je pense pas nous avons beaucoup de modifications, mis à part les graphismes aussi, qui sont extrêmement beaux. Enfin, je veux pas dire extrêmement beaux, mais voilà, ils ont été modifiés par rapport à la dernière fois. Donc, bref. Nous allons sortir d'ici et nous allons chasser. Avant ça, je vais crafter alors un coffre où je vais placer mes affaires. Ah non, 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 ce n'est pas ça que je vais faire. Un coffre, voilà, c'était ça. Donc voilà, et en plus, Rust a prévu de sortir un nouveau Rust. Alors... Tout va changer dans ce Rust, tout va changer. Vous pouvez d'ailleurs regarder la vidéo de ZG1 concernant cette modification, car je ne sais pas d'ailleurs comment il a fait pour avoir le nouveau Rust. Mais par contre, j'ai vu cette vidéo et j'étais complètement choqué. Franchement, le nouveau Rust va être juste excellent. Je ne sais pas comment exprimer cela. Il va être excellent. Malgré qu'il va y avoir encore beaucoup de modifications à faire. Mais sinon, franchement, il est au top. Il est au top. Bref, je vous laisse voir ça par vous-même. Voilà. Alors, hop, je mets ça. Je mets ça. Je mets ça. Je vais en laisser. Ouais, je vais en prendre une. Ça, je vais le jeter. Voilà, nous pouvons partir. Alors, cette fois-ci, nous allons aller chasser. Oh, non, j'ai cru que c'était un mec. Nous allons aller chasser et récupérer du stuff, donc. Afin de s'équiper et pouvoir un peu PVP par la suite. Voilà. Serait-ce un airdrop? Non, non. Donc, je vais aller looter dans les maisons, voir un peu ce qu'il y a, parce que des fois on peut tomber sur des perles. La dernière fois j'étais me promener comme ça, si j'allais explorer cette maison, je l'ai exploré, j'ai trouvé des M4, etc. etc. Ok, ça a déjà été loot, c'est-à-dire qu'il y a un mec pas loin d'ici. Ouais, ça a déjà été loot, c'est pas normal. Il doit y avoir un mec sûrement dans cette maison. Ah d'ailleurs on va l'explorer cette maison. Peut-être on va trouver un truc que les gens ont oublié de rapporter. Là peut-être. Non. Là. Non. Non plus. Même ici, ce serait pas mal. Non. Eh mais c'est des radars les mecs, ils laissent rien. Laissez-moi des trucs. Ici. Eh mais c'est pas croyable. Voilà. What? Ils ont mis... Ah d'accord, ils ont mis une barricade. Ah d'accord. Ah, j'ai flippé, j'ai cru que j'allais pas pouvoir sortir. Bref, oui, je vais aller looter cette maison qui se trouve là-bas. Ouais. Non, sinon j'attends avec grande impatience cette grande mise à jour. Non mais, sérieusement, dans cette mise à jour, je vous mettrai une petite liste au montage ou dans la description, je ne sais pas. Ah ouais, ok. Ah ouais, ça c'est parfait. Ah parfait. Je vous mettrai une liste donc des modifications qui ont été apportées. En fait, quasiment tout Rust va changer. C'est un autre Rust que nous allons découvrir dans cette mise à jour. Il y aura l'accès à la troisième personne. Nous pourrons porter des vêtements. Nous pourrons... Alors, attendez. Il y aura une modification de l'interface de l'inventaire, etc., etc. Il y aura... Alors, laissez-moi réfléchir. Ah oui, la modification de l'animation du saut.
qui a été modifié. Ouais, bref. Après ce que j'ai oublié, je le mettrai dans la description, dans le montage. Bref. Alors, hop. Ça, je vais. Ah, voilà. Ah, enfin de la bouffe. Ça, c'est parfait. Ah, j'avais une grande faim. Ça abusait. Voilà. Hop. Ok. On va aller regarder dans l'hangar s'il n'y a rien. Mais je pense qu'il y a de grandes choses. Merde, non, c'est pas par là. Ah oui, j'ai oublié un truc. Dans la prochaine mise à jour, il y aura donc les maps aléatoires. Ça n'y était pas. Je suis un petit voleur. Maintenant, faut que je cours à la vitesse de la lumière si je veux pas que je me fasse choper. Au revoir. C'est pas moi qui a volé, c'est pas vrai. Bon, non, je vais aller déposer ça. Par contre, je m'en souviens même plus où elle se trouve, ma maison, en fait. Donc, ouais. Ouais. Donc, il y aura des... Surprise, Oh motherfucker! my god! Non! Non, 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 j'avais ramassé beaucoup de stuff. Non, 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 cours! Cours, allez, cours! Cours, Vix. Allez, cours! Cours, Vix, allez. Il est là. Oh, il est tellement lent. Je vais pouvoir m'échapper en 2 secondes. C'est là qu'il nous rattrape et il nous bouffe comme des merdes. Toujours là. Oh putain, il veut pas lâcher l'affaire. Donc désolé si j'ai une voix de canard. C'est juste parce que je suis malade en fait. Voilà. Hop là, tu me trouveras plus. Alors, nous allons déposer le bois. Nous allons déposer la viande. Alors, hop, split, split. Ah non, t'es sérieux, il est venu jusqu'à là. Ah non, mais va te faire foutre. Quoi? Ils sont deux? Enfin, je pense. Oh, ils sont deux. Les bâtards. Hop. Non, ils sont qu'un. Enfin, il est seul, voilà. Donc, je vais prendre un peu de bois. Split, split, split. Hop, et on fait cuire tout ça. Ah, le loup, le loup. Je pense que le loup. Loup. J'arrête pas de me tromper sur le loup et l'ours. Bon, bref. L'ours nous a lâchés. Donc, on va prendre un peu de viande et on se barre. Alors, ah, voilà, bah, parfait. Hop, hop, et hop. On va laisser ça cuire. On met le bois dans le coffre. Ça, on le met là. Hop, hop. Et hop. Voilà. Donc, on y va. C'est toi, on va aller à la chasse au loot. Donc, on va aller explorer. Oh merde! Putain, il nous a pas lâché! Mais c'est pas vrai, mais lâche-moi, mon gars. En plus, il va me faire repérer. J'ai pas envie de tout perdre. Ah merde, on a oublié de déposer la gunpowder. Bon, c'est pas grave. On en a pas besoin pour l'instant. Bon, je vais aller explorer l'usine qui est juste en face. J'ai 8. Comment ça s'appelle déjà? Anti-radiation pile, voilà. Normalement, ça devrait suffire. Parce que dans cette usine, on va prendre cher niveau radiation. Donc, il faut bien se préparer. Ah ouais, c'est vrai. Faut que je me crafte une arc et des flèches. Comme ça, moi, je pourrais loot les ours rouges qui eux aussi rapportent genre des M4 aussi. Ouais, je sais, c'est complètement idiot. Des ours qui lootent des M4, mais bon. C'est Rust, hein. Voilà. Ouais, par contre, là, on va faire gaffe. Il y a des ours qui rôdent. On va plutôt se mettre accroupi.
On marche doucement. Faut pas que je me fasse aggro. Surtout pas. Voilà. Donc on prend une radiation pile. Pourquoi ça a déjà été loot? Oh non, ça a déjà été loot quoi. Ah merde! Faut que je vérifie plus souvent. Non, c'était pas un mec là. Oh non, ça a déjà été loot. Non, c'est pas bon. Non, je vais user plein de radiation pile pour rien. Non. Non, non, c'est nul. Non, ça c'est. Là, c'est pas bon. Bon, allez, je me barre. Voilà, je cours, je cours, je cours. J'ai pas envie de me faire kill à cause des radiations. Il me reste plus qu'une, faut que je fasse très gaffe. Non, c'est bon, ça redescend. Ou pas. Non, c'est bon. Ça stagne. Ça stagne. On va regarder s'il y a personne. Ouais, c'est bon. Allez, c'est parti, on continue. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire si dans les commentaires vous voulez plus de vidéos Rust. Et si aussi vous voulez des vidéos sur League of Legends. Je vous le dis tout de suite, je suis pas en ranked, c'est juste des vidéos fun, voilà. Voilà, dites-le moi. Faites-le moi savoir en commentaire. Donc on va revenir à l'hangar, peut-être. Ah ouais, merde, ah ouais, non, c'est. Bonjour! Est-ce que c'est toi le mec de la dernière fois, Blink? Non, même pas, c'est pas toi. T'es armé? T'es friend? Mec, 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 attends, 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 attends. Tu veux pas faire plutôt une alliance? Ouais. T'as quoi comme stuff? Enfin, t'as quoi comme stuff pour l'instant? En nourriture, etc. Je pense pas qu'il. Avec moi? Oui, avec toi. Je parle à toi. T'as rien? Ah, ok. Ok. Ben, attention. Reviens. Je vais te donner un peu de bouffe. Voilà. Voilà, c'est bon. Et un dernier. Voilà. Allez, au revoir. Ah non, mais j'accepte. Non, me suis pas toi. J'accepte pas des gens qui ont pas de stuff. Il faut un minimum de stuff, comme ça on peut survivre à deux. Sinon, ça va être un gros bordel. Voilà, je prends les gunpowder et je me casse. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à passer de temps en temps sur donc sur mon compte Twitch pour voir un peu si je suis en live, parce que des fois je suis en live mais la qualité elle est assez mauvaise, d'ailleurs je m'en excuse car en fait j'ai pas la meilleure connexion au monde. Disons que j'habite dans un coin où il n'y a pas une bonne connexion, mais j'espère que ça sera résolu dans pas longtemps, voilà quoi. Malgré que j'aurai jamais une bonne connexion en fait. Le seul moyen que j'ai trouvé pour l'instant en fait c'est Oh non, attends, attends mec, yo yo yo, attends, attends. J'ai rien du tout. J'ai pas tué, hein. Non, je sais J'ai pas, pas tué. tu poses ton arc sur moi, du coup ça me fait un peu flipper. Bah, bonjour. Ouais, à toi aussi. Bye. Y'a pas intérêt à me kill. Y'a pas intérêt à me. Non, non, non. Y'a pas intérêt à me kill. Non, c'est bon. C'est gentil. Ouais, donc je disais, j'ai trouvé un moyen pour contrer ma mauvaise connexion. C'est en fait de prendre un forfait. Merde. Ah non, il y a des gens. Va falloir que je m'entende. D'ailleurs, je vais aller là-bas. C'est de prendre un forfait, donc internet.
enfin mobile, un forfait mobile, avec de la 4G et environ 5 gigas. Je pourrais ainsi liver avec une très bonne qualité même sur Rust, sur plein d'autres jeux, League of Legends, etc. Avec une qualité assez bonne, mais pas pour longtemps, genre j'en ferai une fois tous les 2 semaines et des lives de environ 1 heure. Mais je sais même pas si ça va suffire. Donc voilà quoi, c'est très serré. Mais bon, tant que j'arrive à faire des lives genre de 20 minutes, ça devrait suffire. Même si c'est extrêmement limité. En fait, je voulais plutôt prendre la 4G de Free Mobile. Donc de Free. Mais celle-ci n'est pas couverte dans ma ville. Ou plutôt dans mon quartier. Du coup, c'est chiant quoi. Je peux même pas avoir la 4G de Free. Sinon, j'aurais pu live un peu plus longtemps. C'est parfait, on vient de trouver un recherche kit. Un recherche kit donc qui va nous servir à avoir les plans et le plan de craft de n'importe quel objet qu'on veut, à part bien sûr la nourriture, ce qui est compréhensible. Donc voilà, si par exemple si on va trouver une M4, on pourra savoir comment la crafter et ainsi pouvoir la crafter autant qu'on veut sans avoir besoin de la trouver dans des airdrops ou autre. Pareil pour les C4. Donc je vais l'utiliser à bon escient. Oui, parce que je parle comme ça. Non, j'égale. Non, je vais. Eh, je suis en train de perdre la vie là. Voilà, je mange un peu. Je prends un peu de vie. Ouais, c'est bon, les radiations, ils sont partis. Donc moi, je vous conseille pour les anti-radiations pile de les utiliser qu'à partir de 450. Comme ça, vous êtes sûr de perdre aucun point de vie, car ça sert à rien de les utiliser à 300 ou à 200, puisque vous perdez aucun enfin vous perdez aucun point de vie à partir de 300 quoi. Faut les utiliser à partir de 450, car à 500 de points de radiation vous perdez de la vie. Voilà, et ça sert à économiser des anti-radiations pile si vous en avez un peu. Alors, oh, c'est parfait. On a beaucoup de viande. Ça va nous servir. Ça va nous permettre à survivre un peu plus longtemps. Hop. Merde, j'en ai mangé sans faire exprès. Hop. Non, je vais plutôt en prendre 3. Voilà. Les autres, je les mettrai dans le coffre. Voilà, je les mets dans le coffre. Le recherche. Ah, il faut un autre coffre. Ok. Hop, je vais en crafter un autre. Non. Pourquoi je vais dans le menu? Je suis bête. Alors, crafting. Storage box. Ok, c'est parti. Ah oui, c'est très serré. Faudrait que j'aille chercher du bois. Non, ça va pas le faire. Donc, ces vidéos de Rust dureront pas beaucoup longtemps en fait. Pas beaucoup longtemps, ça veut rien dire du tout. Bon, bref, vous m'avez compris. Ces vidéos de Rust dureront, voilà, genre 20 minutes. Mais comme ça, je pourrais faire beaucoup plus de vidéos. Et vous ne serez pas au bout de votre faim. Voilà. Enfin, j'essaie d'utiliser des expressions. Parce que des fois, j'essaie d'utiliser des expressions, mais je dis n'importe quoi. Donc autant pas les utiliser. Donc, je vais mettre. Ah ouais, non, merde. Ouais, par exemple, là, si je trouve un. Vous savez, les wood storage box, mais à 3. Et eh ben, si j'en trouve un, je pourrais en crafter grâce à. Ben, je pourrais connaître le craft et ainsi en crafter comme je le veux. En ayant bien sûr les ressources, grâce au recherche kit que j'ai trouvé. Tout à l'heure. Donc hop, je mets ça. Je vais regarder par contre s'il y a. Ah non, ok. Voilà. Donc je vais d'abord remplir ça. Voilà. Gunpowder. Des balles. Voilà. Le papier, je m'en souviens que ça servait à quelque chose. Le bois, je. D'accord. Il n'y a même plus de place pour le bois. D'accord, bon, on range comme ça, là, va vite, parce que, voilà, c'est une maison provisoire, pour l'instant.
Et donc voilà, c'est en fin de cette journée qu'on va finir cette vidéo. Donc je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de aimer ma page Facebook et de vous abonner aussi sur ma page Twitter, même si je n'y vais pas souvent, quasi jamais même. Donc préférez plutôt ma page Facebook, mettez un petit like sur ma page Facebook et n'oubliez surtout pas, abonnez-vous à ma chaîne. Sur ce, je vous dis bye tout le monde.